Le derby du Nord à Pierre-Mauroy entre Lille 4e et Lens 6e, un point derrière. Les deux formations briguent une place en Ligue des Champions. Et cette rencontre pourrait s'avérer déterminante. Le LOSC sort de 2 nuls face à des concurrents, Rennes, puis à Brest. Et va chercher à capitaliser face à des sang et or défaits à domicile contre Nice avant la trêve. Et en quête de relance ce soir. Les Lillois très vite vont s'illustrer avec ce long ballon de Ben Taleb pour l'exploit individuel d'Edon Zegrova. Le contrôle parfait du Kosovar qui ensuite se joue de Facundo Medina pour fermer son pied et tromper Brice Samba. 1-0 pour le LOSC après moins de 10 minutes de jeu. Les hommes de Paulo Fonseca ont la maîtrise du ballon, sont mieux organisés, arrivent à trouver une nouvelle fois des espaces avec Edon Zegrova qui va écarter sur le côté sur Gudmundsson. Le ballon en retrait pour Jonathan David, l'attaquant canadien est contré, mais de bons mouvements pour les Lillois, largement dominateurs et logiquement en tête à la pause sur le score de 1-0. Lens a pris 4 points lors des 6 derniers matchs face à des équipes du top 10 et semble calé encore une nouvelle fois, comme ce fut le cas, on le disait, avant la trêve à Bollaert face à Nice. Deuxième période, toujours la même physionomie, toujours les Lillois plus justes dans leurs enchaînements. Cette frappe repoussée par Brice Samba est suivie par Edon Zegrova. Le doublé pour le Kosovar, la frappe de Gudmundsson et l'intervention du gardien international français Brice Samba. Zegrova plus prompt que la défense lensoise pour porter le score à 2-0 à l'heure de jeu. Mais Lens va avoir une réaction avec Eli Wahi qui va réduire l'écart et relancer quelque peu le suspense à la 78e minute. 7e but pour l'ancien Montpelliérain, mais le score ne bougera plus. Lille capitalise un 30e point à domicile. C'est la formation la plus prolifique sur sa pelouse. Le LOSC s'impose 2-1 et reste en embuscade à 3 points du podium. Lens est 6e à 4 unités de son adversaire du soir.